J2, étape donc Cassagne, Cubières sur Sinoble, étape de 28 km 500 environ et 650 mètres de dénivelé positif. Donc je suis parti de très bonne heure ce matin, enfin très bonne heure, il faisait encore nuit. Il était 7h20, voilà. Là je suis sur le barrage de la Gly. Je traverse le barrage de la Gly. Et donc depuis Cassagne je n'ai fait que descendre, et puis maintenant je vais remonter pour aller rejoindre Saint-Paul-de-Fenouillet. Je pense atteindre vers midi. Et ensuite remonter par les gorges de Calamus pour rejoindre vers 15-16h Cubières sur Sinoble, l'étape du jour. Donc pour l'instant il fait frais, je suis bien couvert. Il y a un tout petit peu de circulation, il y a encore quelques voitures qui circulent, il y a encore quelques personnes qui ont du carburant. Et hier soir, réunion très sympathique à la salle des fêtes de Cassagne. Et comme dans tous les villages, hein, on est une dizaine, quinzaine de personnes. Mais c'était très, très sympathique. Voilà donc le côté retenue d'eau. Et le côté rejet. Savoir que ce barrage a été construit pour produire de l'électricité. On arrive à Saint-Paul-de-Fenouillet. Voilà là. Les deux tiers de l'étape de fait. C'est globalement bien marché. Et maintenant, voilà, il faut traverser ça là-bas. Pour arriver à Cubières sur Sinode. Ah, donc, on va encore grimper. Alors, pour revenir au gorge de Calamus, donc vous voyez au fond, c'est un poil de Fenouillet. J'aurais pu passer par la vallée. Et prendre le sentier que l'on voit ici, au bout de mon doigt. Mais ce sentier pour remonter vient rejoindre la route. Voilà, donc vous voyez la différence, le dénivelé. Donc j'ai opté de prendre un tout petit peu plus long et suivre la petite route qui monte aux gorges. Voilà, afin d'éviter ce dénivelé important avec mon car et tout, je sais. J'aurais eu énormément de mal à passer les marches. Parce que c'est vraiment par endroit des marches qui sont vraiment hautes. Donc j'arrive dans les gorges de Calamus. Voilà. Le sentier qu'on a vu en bas arrive ici. Oratoire à l'entrée des gorges. Un endroit où il fait bon vivre peut-être. Voici l'ermitage au milieu de la paroi. Donc je vais m'enfoncer dans les gorges par là. Là je suis arrivé quelque part par ici, je vais passer voilà, là au bout de mon doigt.
avec l'ombre, on n'arrive pas à distinguer vraiment la profondeur des gorges. Et je quitte les Pyrénées orientales pour rentrer dans le département de l'Aude. Doucement, je sors des gorges de Galamus pour arriver à l'étape du jour, à Cubières-sur-Simone. Pour quelques kilomètres. Allez, Cubières-sur-Cinoble. Après presque 29 kilomètres, je viens de franchir le panneau. Je suis pas encore arrivé à la mairie. Il reste quelques hectomètres. Et ça y est. J'approche de la fin de l'étape.